une refoulée, parlent de créativité avec leurs invités, qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bienvenue à Pas peu fières, le podcast où on est fiers d'être queer. Bien dit. Plus particulièrement pour les animatrices Gwyn. Lesbienne. Ah, c'est bien. Mais ça peut changer, tout est fluide et tout est un spectre. Absolument. Pour l'instant, on n'aime pas les pénis, dans le fond, c'est ça qu'on veut dire. Mais on commence tout le temps avec notre petite question. Florence, c'est quoi que t'as fait le plus queer cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait de queer cette semaine? J'ai trouvé ça difficile de trouver un moment queer cette semaine. I was not queering it up this week, I guess. Fait que là, j'étais comme « fuck ». Qu'est-ce qui s'est passé de queer cette semaine? Puis là, tantôt, en arrivant, je t'ai raconté une histoire, puis j'étais comme, je pense que ça, c'est assez queer. Puis j'étais comme, OK, I guess. C'est que je suis allée me chercher un café juste avant de venir ici. Mm-hmm. Puis je rentre, living my best life. Puis là, c'est le dude qui est barista. Puis direct, quand je rentre, il est comme, oh! Ah! Tu me fais penser à Bjork. Puis je suis comme, oh my God! Je suis de même, OK. Puis là, il est genre, ah, excuse, t'es-tu pressée? Genre, faut. J'aimerais ça, genre, la googler pour t'en montrer. Puis là, je suis comme, ben, as a matter of fact, oui, je suis pressée, mais malheureusement, je suis pas capable de mettre mes limites. Fait que je vais dire non. Fait que là, j'étais comme, non, je suis pas pressée. Fait que là, il me google Bjork, puis il est comme, c'est toi, tu qui ressembles fucking. Puis je suis comme, moi, c'est admis de pas tant, mais je suis comme, haha, kéké. Puis là, il est comme, puis toi, t'écoutes quel genre de musique? Puis là, j'étais comme, oh non, je pense qu'il me crouse. Puis là, j'étais comme, ah, genre, je sais pas, du folk, le indie, n'importe quoi, là, haha, Elite Music. Puis il est comme, ah, OK. Mais comme, j'ai peut-être des artistes pour toi à te recommander. Fait que là, il m'a genre shooté 2-3 noms d'artistes qu'il pense que j'aimerais. Puis je suis même, haha, cool. Il est comme, tu connais Bon Iver? Je suis comme, mais oui, est-ce que j'ai dit qui Bon Iver? Tu connais Bon Iver, la phrase la plus hétéro, je pense, j'ai entendu. Ouais, fait que. J'adore Bon Iver. J'adore Bon Iver. Mais, ouais. Fait que là, je suis comme, haha, oui, je connais. Puis là, tout le long, je suis comme, oh my god, je veux tellement pas qu'il pense que genre. On se croise, puis tout le long, je me dis, j'espère que j'ai pas fait quelconque move pour comme qu'il pense que je suis intéressée, puis je voudrais pas briser son cœur. Puis j'étais comme, voyons que je suis autant mal à l'aise. Puis j'étais comme, à quel moment faut que je sois comme. En fait, toute la musique que j'écoute, c'est celle que ma blonde met sur mon Spotify. J'étais comme, c'est-tu cringe? Fait que là, finalement, c'est ça. Puis là, juste en partant, puis là, tout ce temps-là, je suis comme, est-ce que c'est de la crouse ou il est juste vraiment sympa? Puis là, juste avant de partir, il dit, mais t'écouteras aussi du Bjork, hein, parce qu'elle est vraiment bonne en plus d'être très jolie. J'étais comme, mais Colin! Oh my God! Fait que c'est ça. Mais fait que je dirais que le truc que j'ai fait, c'est vraiment pendant toute cette interaction-là, être comme, c'est-tu de la crouse? J'ai-tu fait quelque chose pour qu'il me crouse? J'ai-tu, à certains moments, ouvert la porte à ce qu'on me crouse? Je dis pas que j'étais comme, complètement off, hein, de me faire crouser. J'étais pas comme, wesh. Mais non, c'est quand même cute aussi comme manière. J'étais comme, merci pour tout ça, mais aussi, j'espère que j'ai pas brisé son cœur quand j'ai déguerpi aussi vite que l'éclair. Fait que ça, c'est mon moment queer. Queer-ish, je pense. Cute. Ouais. Toi, le tien, Sarah? Moi, toi, t'en c'est un bon. Pas la hauteur. Ouais, tu penses? Non, il fout le bon. OK. C'est que, ma blonde, on est allé à nos 1 an, il n'y a pas si longtemps, on est allé au El Pequino, le bar El Pequino. Free publicity for the El Pequino. Ah, c'est vrai. Puis c'est un petit bar, c'est super mignon. Puis on s'est assis, genre, il n'y a vraiment pas tant de place, en fait. Là. On était vraiment en face du serveur, puis il était full fin. Puis on y a full parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est vraiment torché. Genre, c'est du rhum. Là. Il nous faisait des cocktails. Genre, c'était vraiment intense. Vraiment intense? Mais pour vrai, oui. Là. Genre, j'ai jamais vu blanche comme ça. J'étais comme, ilala. Elle était défoncée? Absolument. Oh, mais moi, j'ai déjà vu extra défoncée. Mais en tout cas, c'est non, une non, pire, pire que cette fois-là. Ah, OK, non, pas la fois qu'elle s'est allée. Impossible. Une commotion. Mais. C'est une bonne pub pour les Pelquino, moins pour ma blonde. Moins pour blanche, oui. Mais ouais, c'est ça. Puis cette semaine, le serveur, il m'écrit parce qu'on s'était addés sur Instagram. Puis il m'écrit pour dire, hey, juste te dire, je voulais te remercier parce que tu fais partie des personnes qui m'ont vraiment aidé à faire mon coming out à ma famille. Puis j'étais comme, je monte ça à blanche, puis on est comme, qu'est-ce qu'on a dit? On s'en rappelle, comme je me rappelle, qu'il parlait de sa bisexualité un peu, mais genre, waouh, j'ai aucune idée ce que j'ai dit là. On était. T'as aucun souvenir d'avoir été comme, laisse-toi aller là-dedans, explore. Oui, c'est important, ça fait du bien d'en parler, genre, je sais pas, mais je suis comme, waouh, c'est ça, quand je suis saoule, je suis comme, fais ton coming out! J'adore ça. Wow. J'adore que tu preach la paroisse, même une fois torchée. Hey, t'imagines? Ouais, bonne affaire.
je vais me torcher plus souvent. Absolument, you should. C'est rare, je te vois torcher en plus, c'est fun. En tout cas, ça, c'est un autre affaire. Mais aujourd'hui, on est avec notre invitée. Marie Gagné! Allô, merci. Merci de venir, merci de prendre un après-midi, mercredi après-midi pour venir. Ouais, ben, juste les travailleurs autonomes peuvent faire ça. Exactement, hein, mais... je suis bien excitée pour vrai. Mais là, toi, t'en as-tu un moment queer de ta semaine? Est-ce que ça t'a... Le moment le plus queer que j'ai vécu, je dirais, c'est d'écouter l'épisode final de The L Word, Generation Q. Est-ce que vous écoutez The L Word? J'écoute pas Generation Q. J'ai commencé, puis j'étais comme, je pense que ça me fait fucking cringer. Mais je pense qu'il faut que je m'y mette. Je sais que c'est une partie intégrante. Ouais, vraiment, il va falloir. T'as-tu pleuré, genre, ça t'a-tu touché? Oui, parce que, tu sais, avec les anciens characters, ils sont comme back aussi. Je suis comme, c'est comme dans Back in the Day, genre en 2004, est-ce que tu... Ouais. Je sais pas, ouais. ça ramène des souvenirs. Fait que j'étais full dans mes petits gay feels. Ah, parce que t'as écouté le OG, là. J'ai écouté le OG, mais comme... Pas en 2004, là. Non. Ouais. Récemment ou genre en mode, genre en 2007, dans le sol à tes parents de même, comme « Oh my God! » Non, j'ai écouté autour de comme 2012. Ah, OK, mais quand même, il y a un petit bout, là. Ouais, okay. Ça fait quand même un petit bout. En 2012, c'était pas cool d'écouter The L Word. C'était pas cool d'être gay, là. Non, c'est ça. C'est que ça compte, je comprends. Ouais, voilà. OK. Ouais, c'est bon. C'est un bon queer moment. Ouais, j'avoue qu'il faudrait qu'on l'écoute. Faudrait vraiment. Mais c'est vraiment bon. Il y a tellement plus de diversité. C'est ça que j'ai entendu. C'est un peu cringe aussi les anciennes saisons parce que c'est ultra blanc. Fucking, il y a juste le mot lesbienne qui est utilisé. Il y a plein de diversité corporelle. C'est vraiment le fun. C'est sur ma watchlist. Ouais, on va l'écouter. Ouais, l'année passée, moi et Pianissa, on a dit qu'on allait faire une soirée série. Puis on a écouté la nouvelle génération de Gossip Girl. Puis ça, on a été amèrement déçus. On était comme c'était à chier. Fait comme, j'espère que ça va topper. Des gay moments. Ben oui, c'est tout wannabe queer un peu, mais pas tellement assumé. Mais pas vraiment. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais non, on n'a pas écouté toute la saison, peut-être ça se développe, mais... C'est ça. Écrivez-nous si ça devient incroyablement bon, mais comme j'en doute. Ouais, on va écouter The L Word à la place. Ouais, bien dit. L Word. Generation Crew. Mais, OK, mais t'as écouté The L Word en 2012. À peu près. Quand même. Est-ce que t'étais out à... Ça a commencé. Ça a commencé? Ouais. OK, ouais. J'ai entendu que tu venais de la Gaspésie. Ouais. Puis t'étais dans une école catholique. Ben, c'est pas tant... Ben, non, c'est pas une école catholique, mais c'est juste que tout le monde est très... Tu sais, comme j'arrête pas de dire, c'est très blanc, très hétérosexuel, très catholique. Il n'y a aucune diversité, là, Mais il y avait toujours des frères et des sœurs avant? Genre, moi, Pianissa, t'allais à des écoles privées, il y avait des sœurs avant. J'imagine que oui, mais tu sais, il y a une école. C'est vraiment une région, là, tu sais. Fait que, Puis tu sentais-tu que... Est-ce qu'on te parlait des orientations sexuelles? Est-ce que tu sentais que c'était un espace et non? Non, jusqu'à ce que je décrisse la Gaspésie. Dans ma tête, j'étais hétéro, la plus bonne blague de l'année. J'ai fait mon cégep à Rimouski, c'est comme si c'était vraiment plus loin, mais quand même, c'était quand même un petit peu à l'extérieur de la Gaspésie. C'est beaucoup plein air aussi, Rimouski. Il y en a de la Gouine, je pense. Il y a de la Gouine, on est... C'est fucking... S'ils n'habitent pas à Rimouski, ils font le chemin pour y aller parce que c'est un bon sighting, c'est pas ça, vraiment. Mais c'est ça, fait que j'ai fait mon cégep là-bas puis je commençais à me questionner. J'étais comme, je pense que je suis bisexuelle. Pleurais ça, je déménageais à Montréal. J'étais comme, je suis une Gouine. J'étais comme, non, je suis même pas bisexuelle finalement. Fait que c'est ça. Okay. Plus je changeais de ville, plus les bourgs changeaient, dans le fond. C'était intéressant. Mm-hmm. Moi aussi, ça m'a pris... Ben, je viens pas de la Gaspésie, là, je viens de Lévis, là, mais ça m'a pris le fait de déménager à Montréal. Ça m'a tellement aidé, là. Parce que aussi, t'as plus ton cercle d'amis, tu sais. Mm-hmm. C'est comme si tu repartais un peu à neuf. Puis là, en plus, il y a full de queerness. Mm-hmm. Fait que... Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Merci, Montréal! Mais c'est le fun de trouver ce sens de la communauté-là. Ouais, la région, il n'y en a pas tant. Il y en a, mais les gens sont encore cachés. C'est moins accepté encore. On pense que mais c'est encore très tabou. Fait que quand tu arrives en ville, c'est vraiment nice de comme, voir les gens tellement qui s'acceptent, qui sont bien dans leur peau. Fait que, Ouais, vraiment. Puis à Rimouski, mettons, quand tu étais bisexuelle, c'était chill d'être bi à Rimouski ou bien... Mais j'étais pas tant... Tu sais, moi, je m'étais plus faite mon coming out bisexuelle, mais je le disais pas vraiment haut et fort. Ah, okay, mais comme, j'allais pas vraiment me cacher si j'avais envie d'avoir une expérience ou whatever, mais j'étais pas comme « I'm bisexual! Okay, » Comme maintenant que je crie littéralement chaque deux semaines que je suis lesbienne. Je comprends. Okay, c'était vraiment une introspection plus qu'une grande annonce. Ouais, exactement. Puis t'as fait une grande annonce en arrivant à Montréal ou ça encore, ça a pris du temps comme... C'était quand je suis arrivée à Montréal. Je me rappelle d'avoir dit à mes amis, après ça mes parents. Puis après ça, ça fait juste effet boule de neige. Puis tu le dis de plus en plus, puis c'est de plus en plus facile. Puis justement, est-ce que tu te souviens genre des premières personnes queer qui ont été comme des modèles pour toi dans ces années-là? Ouais,
Là, on parlait de The L Word, mais mm-hmm. je sais pas si ça compte ou s'il y a des gens qui ont comme ouvertement comme dit genre je suis lesbienne que tu te souviens, mettons. Honnêtement, pas tant. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression que c'est après mon coming out que j'ai comme trouvé des gens, mais ouais, c'était plus des comprends. Gens sur les internets, ouais. comme des YouTubers que je regardais, puis j'étais ouais. comme « Oh my God, c'est nice, ils font leur coming out », mais pas vraiment de gens proches de moi. Oui. Moi, je sais pas vous autres, votre moi, votre coming out. Ben toi, quand même, t'en as un. Ben c'est Hélène, excuse. Non? Ah, oh, Hélène DeGeneres. Ouais. Ah oui, 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 ben oui, évidemment, mais je me disais pas « Je suis Gwyn », mais je l'aimais ouais. vraiment beaucoup, là. Puis tu sais, son talk show... C'est pas si intéressant. Non, c'est pas vrai, mais je l'adore, honnêtement. C'est divertissant et tout, là, mais genre, je l'écoutais à un jeune âge, je comprenais pas tout, genre. Mm-hmm. Mais je pense que c'est vraiment le premier modèle de personne qui disait, genre, ma blonde, puis c'était pas un big thing. Là. C'était même pas, genre, un coming out, mettons, là. Ouais. Quand je l'écoutais, en tout cas. Mm-hmm. Ouais, je catch. Mais oui, c'est vrai, ouais. Je pense que ça m'a influencé inconsciemment. Ouais. Moi, je pense ouais. que, aussi un peu comme toi, genre, j'ai l'impression que mes modèles sont arrivés peut-être après que j'ai comme fait la propre réalisation, puis je sois comme, OK, ben là, ça m'en prend, genre, c'est qui, comment je fais pour accéder à cette communauté-là, puis souvent, ça part d'aller t'en chercher des modèles, exact. Puis être comme, c'est qui les personnes queer dans mon, que je connais, à qui je regarde, et je pense à, genre, Ariane Moffat, une mm-hmm. fois que j'ai fait mon coming out, j'étais comme vraiment plus encline à regarder, à écouter ses albums de façon intensive. Mm-hmm. Ouais. Mais je pense que peut-être pas une personnalité publique, mais moi, c'est ma meilleure amie. On vient d'un petit village, là, But Fuck Nowhere, Bay du Five. Shout out à ceux qui viennent de Bay du Five. C'est où, mettons? C'est dans le centre du Québec. Okay. Fait que, peut-on à coup proche entre Drummondville, Trois-Rivières, Victoriaville. Puis, sa tante était lesbienne, puis je me souviens que c'était comme pas tant un big deal. Puis moi, dans ma famille, il y avait vraiment personne de queer. Mais dans la famille de ma meilleure amie, c'est ça, sa tante était lesbienne. Puis genre, elle faisait de la moto, genre elle, puis sa blonde, puis j'étais comme... Ah. Puis c'est comme s'il y a bien une place où genre tu penserais pas que c'est accepté le no shade l'habit du fer, mais tu sais, c'est vraiment petit village. C'était là, mais non, elle était full cool, genre. Puis c'est ça, elle avait sa moto, puis j'étais genre queen shit. Fait que j'adore. Je dirais pas que c'est mon modèle, mais quand on parlait, j'étais comme, I guess c'est une des premières expositions que j'ai eues à comme deux femmes qui sont en couple, puis que c'est surtout que c'est pas un big deal, genre c'est pas un gros drame. Mais c'est vrai que les modèles, je suis allée m'y chercher plus tard après. Mm-hmm. Un peu comme toi. C'était qui quand t'as décidé, ben pas quand t'as décidé, mais quand t'as réalisé que t'as décidé que tu voulais des modèles, c'est qui, tu te souviens-tu? Genre, t'es YouTuber, mettons, il y en a-tu ben, un? Ben, en tout cas, je me rappelle de Orange is the New Black. Ça m'a tellement influencé. On en a parlé avec Kat. Oh my God. Oui. Genre, j'étais obsédée avec Alex Voss. J'étais comme, pardon, j'ai trouvé tellement chaud. Alex Piper, j'étais comme, pourquoi je veux ça? Genre, j'étais comme, c'était vraiment dans le... Ouh, en 2012, j'aime, quand c'est sorti, c'est à peu près là. Que j'ai comme, come out. Puis j'étais comme, oh my God, they're so hot. Tu sais, quand j'écoutais des films hétéros, j'étais comme... Genre, je ressentais tellement rien. Puis toutes mes amies étaient comme, oh my God, they're so hot. Puis j'étais genre... Après ça, ok, mais tu trouvais même pas genre sur Team Edward, Team Jacob, sur, à toi là. Non, moi, j'étais très Christine, mais je le disais pas, dans le fond. Moi, j'ai tellement, honnêtement, je peux même pas croire que je savais pas que j'étais lesbienne, genre. Honnêtement, c'est alarmant. Mais je non, comprends, c'est ça. Je comprends. Fait que Alex Voss, puis bon. Le film Carol aussi, ça me... Oh my God. So good. C'est tellement bon. C'est bon, ouais. Mais Orange is the New Black, absolument. Puis c'était comme... Ben, I guess on est dans les mêmes âges, mais... moi, c'était genre quand j'étais au secondaire encore, la première saison. Genre, j'étais en secondaire 3-ish. Ouais, non, je pense un peu plus vieille. Okay. Fait que moi, c'était comme ces années-là. Fait que encore, j'étais vraiment pas hâte, moi, au secondaire. Mm-hmm. Mais je me souviens très clairement de genre un des premiers épisodes de la série. Comment s'appelle la rousse? Que Nikki. Natacha. Ouais, ma grande chose. Exactement, Nikki. Je pense qu'elle doit. Je vais essayer de cru, mais je pense qu'elle doit être une fille dans une douche. Puis je me souviens très clairement que je pouvais pas regarder cette scène-là. Genre, c'est dur à expliquer à quel point je regardais ça dans mon lit de même. Genre, palpitations cardiaques, là. Puis j'étais pas comme en mode genre, wish that was me. Mais j'étais juste comme. J'étais inconfortable. Mm-hmm. C'était vraiment pas comme je veux être à sa place. C'était vraiment un grand inconfort. Puis genre vraiment être obnubilée par cette scène-là. Puis être comme, je faut que j'avance ça. Là, puis il faudrait pas que quelqu'un rentre dans la pièce parce qu'ils vont se demander en hostie ce qui se passe. Ouais, mais... Bon, mon premier souvenir, je pense, c'est High School Musical parce que je faisais un scrapbook avec mon ami, genre. Puis là, c'était comme juste Zac Efron. Puis à un moment donné, j'étais comme, oh, on pourrait mettre... Zac et Gabriella, genre, ensemble, sont cute, tu sais. Aujourd'hui, je suis comme, yeah, I'm gay. You are. Puis, ah, tu parlais de YouTuber. YouTuber. Mais je me demandais justement, tu sais, quand tu as commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux, est-ce que ta première motivation, c'était genre, justement, de parler des orientations sexuelles? Pas du tout. Non? C'est vraiment arrivé random, là, c'était mon affaire. C'était après, là. Genre, genre, je savais même pas qu'être influenceur, c'était une carrière. Ah ouais, je comprends. Ça a vraiment commencé out of nowhere, j'étais comme, oh my God,
OK, ben je pourrais utiliser ma voix pour quelque chose. Puis là, j'étais comme, il y en a tellement pas au Québec que j'étais comme, ça. Ben vraiment. Justement, comme j'ai dit, je vais prendre chaque opportunité de crier que je suis lesbienne, puis ça va être ça, mon content, là. Puis de commencer, c'était quoi ton content J'ai commencé au début? J'étais comme un peu sur Instagram, après ça, j'ai fait YouTube, je faisais un peu de vlogging, un peu du lifestyle, j'étais comme, ah, mais ça, je sais pas. Puis là, je suis comme rentrée dans le sex ed, je suis aucunement sexologue ou psychologue, mais littéralement, genre, je lisais des livres, je parlais à des gens, ils me relataient leurs histoires, puis comme, littéralement, mes vidéos, c'était comme, comment doiter une fille, comment faire un cunnilingus. Ouais, c'est encore sur YouTube, là. Arrête! Je te jure! Puis genre, c'est mes vidéos les plus populaires, évidemment. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que, mettons, mon public est 90% féminin puis 10% homme sur ma chaîne YouTube. Okay. Mais ces vidéos-là de comment please a woman, c'était 75% des hommes qui l'écoutaient. Ouais, fait que j'étais comme, ben au moins, ils s'intéressent puis ils veulent faire plaisir à leur partenaire. Oh my God! Wow. Ouais, exact. Hey, mais drôle que tu dis ça, parce que ça me fait penser récemment, je suis dans un event random avec ma blonde, puis il y a un dude qui veut genre nous payer un verre. Puis au début, je pense qu'il était en mode genre, il sait pas qu'on a juste l'air de deux chums de filles. Fait qu'il nous paye un verre. Puis après ça, il est comme, ah yes, on va sur le dance floor, puis on se rinche. Fait que là, il fait, oh my God, vous êtes lesbienne? Fait qu'on est comme, oui. Puis comme, hey, j'ai vraiment beaucoup de questions sur comment je peux mieux faire comme un cunnilingus à ma blonde. Je pense que je suis vraiment pas bon. Je vous jure, c'est arrivé verbatim, cette phrase-là. Puis on est dans un party, genre, il y a fucking de monde, c'est genre une soirée networking, là. J'étais comme, c'est impossible que ça arrive en ce moment. Puis, OK, mais c'est tellement nice, d'où je m'attendais à comme, que vous alliez vous faire objectifier ou quelque chose. Mais c'est comme, vous êtes lesbienne, je trouve ça vraiment cute. C'était cute, mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme, lui, il s'est dit, that's where I get my tricks. Deux lesbiennes, they know how it's done. Mais sûrement, oui, mais comme aussi, j'étais genre, ah, OK. Mais ça m'a vraiment, on a vraiment ri, là, on a trouvé ça très drôle. Mais quand j'y repense avec mon cerveau de femme qui analyse une situation, je suis comme, ce homme-là a quand même pris l'opportunité d'être comme, yeah, tips and tricks from the guys. Mais il m'a forcé d'admettre qu'on y en a donné en était torché, là, puis on était comme, bien, on va t'apprendre. C'est quoi que vous avez répondu? My God, genre, ma blonde, elle y a donné plein de trucs. Moi, j'étais comme, c'est bon, c'est bon, oui. Genre oui. Des trucs grands de base, j'imagine, qu'il était comme, oui. Oh my God. Première affaire, on est comme, est-ce que t'es à l'écoute? Il est comme, non! On est comme, oh my God! Hey, ça part de loin, non. Là. Ça partait de loin. Fait que j'en doute vraiment pas. Puis, ben, bonne affaire aux hommes de s'éduquer. Hey, honnêtement, avoir su qu'il y avait ces vidéos-là disponibles sur Internet, moi, je les ai regardées parce que quand moi, j'ai fait mon coming out, j'ai dû rasier toute l'Internet pour être comme, comment faire. On nous l'apprend pas, on n'a pas de cours. Mais c'est ça, l'affaire. C'est que même, tu sais, j'ai des jeunes qui écoutaient mes vidéos, puis c'était comme, j'en ai plus appris dans une vidéo de 10 minutes de quelqu'un qui n'a même pas d'études là-dedans que dans mon cours de sciences d'un an. Là, ouais, c'est ça. Mais il y a tellement encore des tabous reliés à ça, mais comme, everyone has sex, là, on en revient. Nous, on n'avait pas vraiment d'éducation sexuelle. Là. Ouais. Genre, c'était comme un après-midi. Il y a une madame qui est venue nous faire une genre de méditation érotique. Pardon. Elle était comme, fermez vos yeux, comme là. Imaginez-vous vos petits kicks, là. Vous êtes avec vos petits kicks dans un chalet en bois rond, puis il y a des rapprochements. Puis il y a des rapprochements, puis là, c'est vraiment, tu sais, elle met, sérieux, ça a duré, je pense, 7 minutes, là. Genre, elle met, puis c'était, finalement, c'était pour nous dire le consentement, parce qu'à la fin, il est comme, puis là, il dit, ça me tente pas, tu sais. Fait qu'on est dans une école de filles, fait que c'était au masculin, mais... puis c'était pour nous apprendre le consentement, mais genre, c'était tout. C'est tout ce que je me rappelle d'éducation sexuelle. C'est vraiment. Mais c'est très hétéronormatif aussi. Là, absolument. Moi, absolument. Tout le long, j'étais comme, pense à un homme. Pense à un. Tu connais-tu un homme? Justin Bieber, c'est <sans qu'elle... rire> Oh mon Dieu. Moi, j'étais comme dans la dernière année. Genre, je pense que j'ai eu de l'éducation sexuelle, genre en secondaire 2. Puis je me rappelle, c'était littéralement, il y avait une banane et un condom. Et on parlait de vagin, pénis, c'est tout. C'est tout. C'est fou pareil, là. Il n'y a pas juste ça comme orientation sexuelle. Puis après aussi, c'est comme, tu sais, entre lesbiennes, j'ai l'impression que ça a pris du temps à comprendre qu'il faut se protéger aussi, mettons. Tu sais, c'est comme, il n'y a eu aucune conversation là-dessus, genre. Vraiment. En général, on n'a aucune idée. Non, puis tu sais, même moi, genre, le practicing lesbian, je suis comme, mettons, à part le condom féminin qui est comme la grande toile de piscine, là. Je suis comme, je sais pas, là, t'as dit ça, puis j'étais comme, wait a minute. Je sais pas, c'est comme on en a pas parlé, puis on apprend comme de bouche à oreille, de comme quelqu'un qui t'a dit fais attention ou genre ça. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça, en effet, on apprend à travers les branches, on apprend sur le tas, en hostie, là. Ouais. Vraiment, c'est bien dit, c'est ça. On apprend sur le tas. On apprend sur le tas. Ah, je vais aller voir tes vidéos. Je suis sûre que j'en apprends. Imagine d'apprendre le truc. Ça fait genre, ces vidéos-là, ça doit faire un genre de 4 ans. Ah ouais? À peu près. Ok, quand même récent.
Ouais, okay, quand même vieux, j'allais dire, c'est quand même vieux. Puis quand t'as comme commencé à faire ton contenu queer, mettons, mm-hmm. qui est venu intégrer tes réseaux sociaux, parce que ça, je comprends, c'est arrivé après, mm-hmm. mettons, t'as fait ouais. tes vlogs, peut-être comme ça, c'est, ouais. pas tout à fait moi, tu t'es mis à faire du contenu queer comme comment bien doigter une fille. Ouais, exactement. Vraiment queer. Puis est-ce que tu t'affichais déjà comme une personne qui s'identifie comme une lesbienne, si j'en comprends bien, ou t'as-tu dû faire un coming out, ou t'as juste fait à un moment donné comme... Ça, mais j'ai fait plein de coming out, genre, tu sais, ouais. ça a passé de hétéro à bisexuel, à pansexuel, après ça, j'utilisais queer, après ça, lesbienne. Fait que ça a été un cheminement. Je me rappelle qu'une des premières vidéos de ma chaîne, c'était justement mon coming out, que je disais que j'étais queer parce que j'aimais pas les labels. Mais je pense que dans ce temps-là, ça va faire comme à peu près 5 ans, j'étais comme moins à l'aise avec le mot lesbienne. Il y a comme encore un stigma accroché à ce mot-là. Ouais, je comprends. On dirait que ça ne me dérangeait pas de dire gay, mais lesbienne, c'était comme... Ouais. Je sais pas, tu sais. Ouais. Fait que j'utilisais vraiment queer parce que je disais que j'aimais pas les étiquettes. Puis là, finalement, comme peut-être un an plus tard, j'étais comme, you know what, je me l'approprie. Puis maintenant, c'est tellement... C'est le seul mot quasiment que j'utilise. Queer, ça me va encore, mais lesbienne, je trouve ça vraiment beau. Puis j'aime ça m'identifier. Puis ça l'aide justement à déconstruire les préjugés qu'on avait par rapport aux lesbiennes. Vraiment. Mm-hmm. Parce que t'es différente de genre... Tu sais, t'es différente de quand on dit mot lesbienne, puis on est genre, ah non! Mais genre, finalement, c'est comme, non, c'est juste plein de personnes différentes, mais qui sont attirées par des femmes, puis d'attitude. Mais c'est sûr, c'est fun de défaire ça, tu sais. Ouais, c'est sûr. Typiquement, on imagine, tu sais, les lesbiennes, c'est des butches. Ouais, c'est sûr. Oui, oui, boo dans Orange is the New Black, là. Exemple, exemple de lesbienne, c'est elle, j'ai un avantage, c'est comme, ouais. Mais vraiment, mais tu sais, on peut, il y en a des lesbiennes féminines, genre, tu sais, qui ont des styles différents, comme ça fait pas de toi une personne moins lesbienne. Non, c'est sûr. Absolument. Oui, tout à fait. Mais je comprends aussi, parce que lesbienne, on dirait que c'est tellement comme aussi sexuel. Tandis que queer, on dirait que c'est genre... C'est général, c'est aussi ça. Ta façon de t'exprimer, on dirait. Mais faut enlever ça aussi, là. En tout cas, c'est intéressant. Puis, mettons, quand tu t'es mis à faire du contenu queer, tu t'es juste levé un matin et t'étais comme... Bon, c'est mon appel, je vais faire ça. Comment ça s'est comme... C'est quoi ton cheminement par rapport à comment tu voulais l'adresser? T'as-tu une pensée aussi à être comme... Est-ce que je me ferme une niche si tout d'un coup je me mets à faire du contenu queer puis qu'avant je faisais juste des vlogs de ma vie générale? Ça a été quoi ton processus pour te dire comme, coudon, c'est ça que je vais faire puis ça va être ça ma brand? Mais je te jure que c'est littéralement parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez au Québec. Puis justement, quand j'avais 12-13 ans, j'aurais aimé ça que quelqu'un me regarde puis dise « Hey, ça va être correct, genre tu vas te trouver. » Puis comme ça, c'est un peu un rôle de grande sœur que j'avais envie d'avoir, tu sais. Puis... Je trouve qu'il y en a quand même aux États-Unis, vraiment plus qu'ici, tu sais, du contenu anglophone sur la sexualité sans tabou et tout. Puis je me rappelle, il y avait une YouTuber, c'est Stevie Bobby, je sais pas si c'est qui. Je connais pas. Bref, c'est l'ex de mon ex. Ça me faisait vraiment rire. Lesbian drama. Puis, c'est ça, j'avais tombé sur sa chaîne, j'étais comme, oh my god, elle parle vraiment de sexe, genre hardcore, genre sans censure. Puis j'étais comme, oh my god, ça serait tellement fun d'amener ça ici. Au Québec. Fait que c'est un peu ça qui me motivait à faire ça. Puis, tu sais, j'ai tellement eu des bons feedbacks de gens qui étaient comme, tu sais, c'est important. Puis tout, fait que c'est ça. Plus il y en a, plus on fait changer les choses. C'était vraiment pour ça que j'ai décidé. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci de partir. Je me suis comme enivrée. Est-ce que, mais c'est ça, vu que t'es beaucoup sur les réseaux sociaux, est-ce que tu reçois des commentaires? Comme à l'autre épisode avec Judith Lucie, on parlait un peu qu'elle recevait genre des commentaires haineux par rapport à genre « t'es juste une lesbienne », mettons, des affaires comme ça. Est-ce que t'en reçois beaucoup, genre, qui sont par rapport à ton orientation? Je dirais plus sur TikTok. Ouais. Mais c'est parce que c'est tellement intéressant parce que, mettons, YouTube ou Instagram, c'est des plateformes que les gens, soit ils te recherchent puis ils te follow, ils te connaissent par des gens similaires, mais... Ouais. TikTok, l'algorithme, ça peut vraiment être tout le monde qui tombe là-dessus. Fait que mettons le régent du fin fond de Gaspé qui a 53 ans puis qui est bien hétéro, là, ça y arrive de laisser des petits commentaires. J'ai tellement reçu de commentaires d'hommes parce que mon TikTok, c'est vraiment des jokes de lesbiennes à côté, là, t'sais, sans filtre. T'sais, je parle vraiment sans filtre. Fait que des fois, ça passe pas chez les hommes, mettons, 50, 60 ans. Ils trouvent pas ça drôle, là. Puis ils viennent comme en tabarnak. Ils veulent le dire, genre. Ils sont pas d'accord. Je suis comme, ben, c'est pas toi, mon public cible. Fait que, juste votage. C'est ça. You can leave, mais tu sais, pourquoi, Réjean, je suis dans ton algorithme? Pose-toi des questions. Peut-être que it's a little fruity. Bon, peut-être que ta fille, tu sais, je sais pas. Moi, je sais pas. Fait que c'est ça, c'est, les commentaires de hate, c'est souvent des gens qui ont aucunement rapport. Fait qu'on dirait que ça m'affecte moins qu'avant parce que je suis comme, clairement, c'est des gens qui sont malheureux ou qui ont rien à faire, tu sais. Des fois, c'est des longs commentaires. Je suis comme, ah ouais, hein, toi, t'as pris 20 minutes de ta journée pour m'envoyer chier parce que t'es pas d'accord que je sois lesbienne. Super. Hey, c'est peut-être que t'as fait ça à
autre monde aussi. Fait ouais, que c'est quoi, la personne a pris une heure de son temps pour envoyer, tu sais, c'est fascinant. Fou, là. Ouais. Ouais. Sur TikTok, en plus, ça dure 3 secondes. Hein, c'est, ouais, c'est tellement facile de faire. C'est ouais, ça. C'est ça. Moi, si un contenu ne me convient pas, je switch. Au pire, je bloque pour vraiment pas le voir. Mais sinon, j'ai tellement une belle communauté, super accepting, ça va vraiment bien. Oui. Puis des fois, t'es-tu comme tourmentée entre comme justement un commentaire d'un dude qui est comme « va chier, grosse lesbienne ». Est-ce que t'es comme, t'as-tu la volonté de vouloir les éduquer ou au contraire, t'es comme vite, tu le bloques? On dirait que moi, genre, je suis sûre que toi, ça, tu serais comme en mode « je vais les éduquer puis je vais leur apprendre » puis moi, je serais comme « ben ». Mais c'est quoi la fine ligne? Je me questionne, est-ce qu'on devrait éduquer? C'est pas non plus, c'est pas un fardeau qu'on devrait que t'aurais apporté. Mais en même temps, sinon, ces gens-là se ramassent sur l'algorithme puis ils en ressortent avec rien à part genre de la haine. C'est comme. Mais je pense que ça dépend vraiment de mon mood. Je suis vraiment une personne de mood. Fait que des matins que je me réveille, je suis comme « Non, je choisis mes combats. » Puis des matins que je suis comme « Je suis désolée, je vais te répondre. » Fait que ça dépend vraiment. Mais je pense que tout est dans l'approche aussi. Il y en a qui ils laissent des commentaires, mais tu vois qu'ils sont comme... C'est un peu une question. Trop. Oui, ils sont comme confus. Tu vois qu'ils sont comme pas mal intentionnés, mais c'est tellement maladroit. Fait que je suis comme « OK, mais tu sais, de la straight up, genre... méchanceté, je suis comme ça va être beau. J'ai pas à m'infliger ça, tu sais. Non, vraiment. Des fois, il est juste trop tard, là. C'est que... Bien dit, ouais. 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 Des gens qui sont tellement fermés d'esprit, là, même si tu leur montrais des statistiques, il y aurait quand même raison, là. Fait que ça sert à rien, des fois, là. Puis, des fois, à l'inverse, est-ce que tu reçois des commentaires? Tu sais, tu dois quand même recevoir beaucoup de commentaires de genre, un peu comme je disais au début de l'épisode, de genre, merci, ça m'a aidé à faire mon communiante et tout. Est-ce que tu trouves que ça te donne une pression? Ben, est-ce que tu reçois des commentaires comme ça, premièrement? Oui, énormément, vraiment. Puis est-ce que tu as comme une pression quand tu réponds à ça? Est-ce que des fois, tu reçois beaucoup de genre trauma dump aussi en même temps? Ouais. Puis t'es comme, ouh, là, attends, là, j'ai pas les compétences pour comme répondre à ça. Mais je dirais que oui. Avant, je prenais vraiment le temps de répondre à beaucoup de messages, mais maintenant, c'est comme, il y en a plus. Puis des fois, c'est vraiment des longs messages, mais je trouve ça tellement flatteur. Il y en a qui me font littéralement leur coming out. Ils sont comme, ah, t'es la première personne à qui je l'ai dit. T'sais, j'aimerais ça m'ouvrir. Puis ça me touche tellement. Fait que, tu sais, je vais prendre le temps de répondre. Ouais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux plus répondre. Mais mettons, ces temps-ci, j'essaie vraiment de shifter mon contenu aussi 50-50, c'est du fashion puis du LGBT. Fait que j'ai moins de messages de comme coming out, mais j'en ai encore aujourd'hui. Ouais. Fait que je peux quand même plus répondre en ce moment parce que c'est assez balancé. Fait que, mais je reçois des magnifiques messages là, de gens, puis je trouve ça tellement beau qu'ils se confient, puis qu'ils se sentent en confiance. Je suis comme, c'est vraiment c'est une chance, tu sais, je suis grateful. Puis y a-tu des fois où tu reçois des trucs, puis t'es comme, je sais pas si j'ai les compétences pour t'aider, je sais pas. Autant que ça peut être vraiment comme le fun, puis super comme valorisant de recevoir ces messages-là, parce que des fois, tu le ressens comme un genre de fardeau, ou pas un fardeau, c'est peut-être un lourd mot, là, mais comme une responsabilité plus grande que toi. Puis, ouais, 100%. Je me questionne. Mais vraiment, tu sais, je veux dire, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas sexologue ou psychologue, mais j'ai l'impression qu'avec les vidéos, justement, d'éducation sexuelle, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que j'ai ces compétences-là. Fait qu'ils me posaient full de questions sur comme, ah, il m'arrive telle chose, qu'est-ce que je devrais faire? Puis, je suis comme, ah. Puis, il y a des messages, des fois, vraiment sérieux. Tu sais, j'ai déjà eu des jeunes personnes qui pensaient au suicide qui m'envoyaient des messages. J'étais comme, oh my god, tu sais, ça rentre dedans. Mais, tu sais, après ça, je me suis préparé une feuille avec des noms, tu sais, des ressources, dans le fond, pour les aider, parce qu'en aucun cas, tu sais, je peux prononcer sur ça. Ouais, j'ai pas de formation, fait que c'est ça, j'ai ma petite liste de ressources que je peux envoyer si les gens ont des questions. C'est une bonne idée. C'est vraiment cute. Puis au contraire, mettons, quand t'as reçu des... Ben, quand, là, je comprends que c'est plus sur TikTok, mais quand tu reçois des messages de haine, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un échange comme où tu t'es dit, tu sors de ça, puis t'es comme, ah, je pense que cette personne-là a grandi, je pense que cette personne-là, je l'ai aidé à cheminer. Je pense qu'au final, on en ressort comme du positif de cette interaction de merde au départ. Oui, ça arrive, mais pas souvent, surprenamment, parce que j'ai l'impression que les gens qui commentent ça sont tellement fermés à la base que même si tu leur arrives avec une explication qui fait du sens, ils veulent rien savoir. Pour eux, t'es une gouine, ça vaut rien, genre, t'sais, fait qu'à un moment donné, ça sert à rien non plus de s'acharner sur ces personnes-là, t'sais, mais il y en a qui sont ouverts, mais, t'sais... Malheureusement. Comprends. Non, mais en même temps, puis c'est se buter aussi à comme... C'est ça, quand ils sont rendus à la haine, puis venir en parler directement à toi, j'imagine qu'ils sont pas non plus dans la grande ouverture, le fait que... Puis comme on en parlait tantôt, c'est où tracer la limite de comme c'est à moi de l'éduquer, puis ça nous revient pas nécessairement. En même temps, sinon qu'il le fait, moi je me dis tout le temps, c'est mettons pour des trucs féministes, genre, je me dis souvent, en famille, mettons, il y a des gens qui me posent des questions qui sont pas nécessairement pertinentes. Puis là, je me dis, ah, je devrais les éduquer, mais en même temps, c'est pas mon fardeau. Mais après ça, si c'est pas moi qui le fais,
qui va le faire, tu sais. Ouais. Fait que... Mais tout est dans la manière. Tu sais, moi, je suis tellement ouverte à éduquer qui que ce soit, mais tu sais, il faut que les gens présentent de l'ouverture puis qu'ils soient gentils. T'sais. Oui, je comprends. C'est comme, tu sais, quand tu vois que les gens sont comme résistants puis ils veulent un peu rien savoir, ça va. Comme, tu sais, on deal déjà avec notre queerness qui est un peu vue comme étant marginalisée. Ouais. On n'a pas besoin de se faire, tu sais, envoyer ces énergies-là. Ça va être correct, là. Puis est-ce que tu trouves que ça te stresse-tu des fois? Tu sens-tu que c'est une pression quand même d'être... genre un icône comme ça, genre queer sur les réseaux sociaux. Mais c'est est-ce gentil, que tu ce titre-là? Une icône queer, thank you so much. Mais toutes nos invités, on est comme, c'est des icônes. Sauf deux personnes. Trouvez-les dans la liste. On est toutes des icônes. C'est iconic. Non, mais quand même, puis tu sais, t'as un gros impact, là, sincèrement. Là, fait, oui, ben, je dirais icône. Je dirais, c'est drôle, mais je dirais que récemment, plus, parce que j'ai comme vraiment shifté mon contenu un peu plus. Ouais. Fashion, tu sais, avant, littéralement, mon contenu, c'était juste « je suis lesbienne ».« Je suis lesbienne »,« I'm gay »,« I'm queer »,« I love pussy », c'était ça, OK? C'était juste ça. Puis j'étais comme « mais Chris, oui », mais en même temps, je suis autre chose, tu sais, j'ai d'autres passions, j'ai d'autres trucs que j'aime, puis tu sais, même dans mon fashion, tu sais, c'est la façon que j'exprime mon queerness aussi. Fait qu'on dirait que vu que maintenant, je fais comme un peu 50-50, je suis comme « ah, on dirait que j'en fais moins qu'avant, mais ça... » invalide pas l'autre contenu que je fais. Fait que je suis comme, il faut que je retrouve une balance là-dessus. Ah que, ouais. Fait que... Tu te sens... Tu imposteur aussi dans le monde de fashion, mettons? Pas tant fashion, mais plus le queerness. On dirait que je peux pas avoir le même titre qu'avant parce que j'en fais moins, tu comprends? Je catch. Mais comme, j'ai comme plein d'idées, puis je brainstorm, puis il y a plein de projets queer qui s'en viennent, vraiment le fun. Mais c'est ça, vu que j'en fais un peu moins qu'avant, je suis comme, ah, it's weird. Ouais, je comprends. Mais t'as raison, en même temps, la queerness, ça, c'est... il y a aussi un lien avec la fashion, parce que c'est comment tu t'exprimes, genre... Oui, tellement. Aussi ton look, fait que c'est autant important, tu sais. Puis t'as tellement une esthétique, genre, précise, qui est propre à toi, puis c'est queer, fait que... Ouais. C'est ça, c'était même pas une question, hein, c'est vrai. Mais c'est... Puis dans le monde, mettons, de la fashion, est-ce que, genre... il y a beaucoup de gens queer. Est-ce que c'est quand même un questionnement que tu jases un peu avec le monde? Ou... C'est des bonnes questions. ben, je dirais que les queer people, justement, je trouve que c'est tellement des gens qui aiment s'exprimer dans leur art. Puis, tu sais, le fashion, c'est une forme d'art en soi. Oui. Fait que, oui, tu sais, même moi, je m'inspire de mes amis, là, dans la vie de tous les jours. Je les trouve tellement beaux, puis comme, tu sais, it's all about energy. Mais, tu sais, sinon, fashion-wise, mes icônes, il y en a pas tant des queer, ou sinon c'est des designers qui sont gays. Mais comme des femmes lesbiennes... Il y en a pas tant. Pas tant. Il faudrait que je fasse plus de recherches. Mais c'est vrai, mais moi, je suis comme... Je pourrais pas dire qui... Mais peut-être qu'ils s'expriment pas aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'il y en a, mais... Ouais, c'est vrai. J'ai pas de modèle en tête. Moi non plus. Mais je suis pas très fashion, honnêtement. je m'habille tout le temps en jaune. Non, non, c'est tellement hot. C'est ta couleur, le jaune. Ah, absolument, c'est ta couleur. C'est hot, hein. Toi, c'est bleu. Non, je pense pas. Je pense que moi, je suis pas tant couleur d'habitude en plus. Ça a juste à donner. Là. C'est vrai, t'es plus genre black and white. Là. Ouais, je pense que oui, quand même. Mais je dis ça, mais comme sur tous les épisodes, je mets des chandails colorés. Mais tu sais, je pense que je me force. Je suis comme, c'est quoi qui va être beau sur les petites caméras? Mais on parlait en plus de fashion queer, puis ça m'a fait penser, genre, il y a quand même des étiquettes queer quand je pense, mettons, la petite tuque qu'on en parlait, genre, une petite tuque de lesbienne, mais des bagues, genre. Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose auquel tu penses quand tu, mettons, tu penses à du contenu fashion, tu penses-tu à genre mettre des Q? Moi, qui ma blonde, l'autre fois, elle me s'est habillée. Puis elle m'a dit, là, Flo, c'est trop, t'as trop l'air lesbienne. Puis j'étais comme, mais là... Puis j'étais comme, mais je comprends ce qu'elle veut dire. J'avais mis une tuque, un chandail, genre, écrit, genre, avec un char de course. J'avais comme un jacket. J'avais comme des docks. Je comprends ce qu'elle veut dire. J'avais vraiment tous les stéréotypes. Puis là, peut-être qu'il y en a qui écoutent, qui sont comme, what the fuck, j'ai tout ça dans ma garde-robe, je suis pas lesbienne. Je sais pas quoi vous dire. Checkez-vous. Mais ouais, je me questionne, genre, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu fais tes outfits ou quand tu penses à, genre, ta queer fashion? Est-ce qu'on encourage ce genre de petits détails-là ou est-ce qu'au contraire, on devrait les déconstruire puis comme everybody's genderless, everybody's queer? Parce que moi, des fois, j'adore je suis comme... ça, everybody's genderless, everybody's queer. J'adore. Nouveau slogan. Mais non, honnêtement... fuck les stéréotypes, là, tu sais, la queerness, c'est à l'intérieur de toi. Fait qu'on s'en fout vraiment de ce que tu portes. Genre, quand je m'habille, aucunement, je suis comme, ah oui, je vais mettre ça, mais comme, ça reste que je suis lesbienne, puis j'aime mes bagues, j'aime mes petits t-shirts roulés, puis ma petite tuque des fois, mais comme, ça rentre là-dedans, mais
C'est ça. Mais non, je m'habille vraiment comme je veux. T'sais, j'ai des passes que je suis ultra masculine, puis il y a des passes que je suis vraiment féminine, mais comme c'est mon énergie qui reste queer. Puis on dirait que c'est ça. Je pense tellement souvent à ça ces temps-ci. Parce que là, je suis dans une phase que j'ai envie d'explorer la couleur. OK, les chums? Quoi? Mais là, la couleur, littéralement, le beige. Tu sais, ma couleur. Puis comme, j'étais genre, à quel point, si moi, je porte un chandail beige versus mon ami qui porte un chandail beige, on n'aurait tellement pas la même énergie. C'est une question de comment tu te présentes dans le monde. Puis c'est comme si j'associais, mettons, le noir à comme, tu sais, comme fierce, nanana, mais je vais quand même être fierce même si je porte un chandail beige. Ouais, je comprends. Fait que c'est un peu ça que j'essaie d'explorer aussi. J'ai hâte de voir. Ouais, moi aussi. On se tient au courant. Mais... Peut-être que moi, je vais virer noir. C'est ça. Imagine! Ça serait fou. Je comprends. Mais en plus, tu parlais, tu sais, je me disais les petits trucs, puis tout. Puis des fois, je me dis, est-ce que j'aime vraiment les petits trucs? Je pense que oui. Ou est-ce que j'ai inconsciemment, je veux qu'on sache que je suis lesbienne. Fait que je vais mettre ma tuque puis je vais mettre mes bagues. Je me questionne vraiment à savoir, est-ce que c'est comme l'œuf et la poule? Est-ce que j'aime vraiment les tuques? Ou est-ce que j'aime qu'on sache que je suis queer et donc je mets la tuque? Est-ce que c'est une question pour réflexion à la maison, peut-être, si vous voulez y penser. Mais moi, ça m'arrive, je suis comme... Est-ce que quand j'étais hétéro, mettons que je me revois au secondaire, là, puis je pense pas que j'étais fan de la tuque roulée, là. Mais là, d'un coup, aussi, jamais, toutes les occasions, là, toutes les sauces, là. Fait que je me dis... C'est ça, je me questionne à savoir... si ça fait partie intégrante de ce que j'aime ou si c'est devenu quelque chose que j'aime pour pouvoir... C'est tellement des bonnes questions pour mon entité. Mais tu sais, même, mettons, mes bagues, tu sais, je les aime tellement, puis je sais que c'est comme... It's a gay thing. On dirait que quand j'ai des pas, je me sens tellement tout nu, là. Genre, je fais pas moins. Si je les ai oubliés, je retourne chez nous. Je suis comme, I need my rings. Mais comme... Je sais pas, mais je me sens tellement bien dans ma queerness, puis j'aime ça que les gens sachent que je suis queer, que je suis comme... Je sais pas, tu sais. En même temps, je me dis, tu sais... J'ai l'impression que les personnes queer, en général, se sont tellement... Ils se positionnent tellement, genre, à côté de la norme que, genre, les vêtements, c'est important, genre. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de modes qui sont associés à la queerness, mais comme, tu sais, des trucs roulés, il y a, genre, du monde hétéro qui la porte. Oui, il y a des petits gars hipsters dans le Mile End qui portent ça. C'est ça, les petits gars hipsters qui ont l'air de des butch lesbiennes. Oui! Ouais. J'adore jouer au jeu. Is it a little boy or a butch lesbian? Absolument. Vraiment. J'étais au musée cette samedi passé. J'étais comme en avant de moi, genre on était pactés, genre. Puis là, juste en avant de moi, j'étais comme oh, un couple de lesbiennes. Yay! J'adore voir des couples de lesbiennes in the wild. Fait que j'étais comme woohoo, some people like me. Puis je vous jure, une minute plus tard, il se retourne. C'était juste un gars avec une petite top basse. Puis j'étais comme non! Mais en même temps, good for them, vraiment contente qu'ils soient bien en amour, mais je pense avoir trouvé ma communauté. Finalement, c'était juste un dude avec une petite tante. Mais en même temps, c'est peut-être une personne trans. Oh, t'as fucking raison! Sorry on about that, t'as raison. J'ai vraiment assumé que c'était un dude avec une toque, mais peut-être pas. Tout le monde a le droit de porter la tuque roulée, tu sais. Et la toque basse. Absolument. Et la toque basse. Absolument. Mais... Je vais y aller. Vas-y. OK, mais je trouve ça vraiment intéressant. Dans le fond, tu n'as pas commencé... Parce que moi, je t'ai juste connue quand tu faisais du contenu, tu es très lesbien. Tu es tombée sur mon algorithme, je me demande pourquoi. Ça surprend. Mais je me demandais, est-ce que depuis que tu as fait ce tournant-là... Ben j'appelle ça tournant, mais tu sais... Est-ce que, genre, tu trouves que ça t'a donné plus d'opportunités en tant qu'influenceuse, en tant que... genre créatrice de contenu, ou au contraire, ou peut-être on sait pas vu que ça allait mais c'est vraiment du 50-50, c'est que ça donne d'autres opportunités. C'est un peu ça que je voulais aussi. Je suis tellement une passionnée de mode. J'ai comme j'ai tellement envie de travailler avec des high brands. C'est ça qui me passionne. Puis là, ça commence à comme lever dans cette industrie-là. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Mais j'ai encore mes contrats queer, que c'est mes contrats les plus importants que j'aime, qui me tiennent tellement à cœur. C'est ça, c'est que le LGBT, ça me tient à cœur. Puis le fashion, ça me passionne. Fait que c'est un bon mix des deux. Puis j'ai la chance de faire les deux. Parce que moi, j'ai l'impression, en plus, on en parlait avec Judith juste avant, comme que. On a encore cette idée que tout ce qui est queer, c'est niche. Ça va pas plaire à la population générale. C'est à côté, c'est en marge. Puis il y a une partie de ça qui est vraie, on va pas se mentir, mais il y a aussi, je pense que c'est très réducteur de penser qu'il y a juste les gens queer qui se trouvent que les trucs queer, c'est intéressant. C'est pas vrai. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a quand même passé par l'esprit quand t'as décidé de faire du contenu queer ou t'orienter vers le contenu queer, d'être comme crime? Est-ce que là, toute ma fanbase qui n'était pas queer va disparaître ou est-ce qu'on va me donner moins d'opportunités si je me mets tout d'un coup à avoir cette niche-là ou c'est juste, c'est tellement important, fait que tu n'y as même pas pensé. Puis honnêtement, je ne l'ai jamais tant fait
pour genre une, tu sais, je savais même pas que c'était un métier justement, influenceuse. J'ai commencé à le faire, puis j'étais comme, ah, ok, tu sais, sure, il y en a pas ici. Si il y a des gens queer qui tombent sur mon contenu, good, mais je l'ai jamais fait pour ça, fait que je suis comme. Tu pensais pas vraiment à quel public reach, genre. Vraiment pas, puis tu sais. Oui, ça reach à des gens queer, mais je reçois des messages des fois de mamans qui sont comme, ah, merci tellement, tu sais, ma fille, elle m'a fait son coming out. Ah, fait que tu sais, des gens, tu sais, hétéros aussi, tu sais, j'ai même des amis qui sont comme, merci, on dirait, je comprends plus ta réalité, vraiment, tu sais. Fait qu'il y a des gens hétéros qui ça rejoint aussi, mais c'est sûr que mostly, it's mostly queer, mais. Ben, puis t'es pas seulement queer aussi, là, tu sais, dans le sens, comme tu dis, mettons, ta passion pour la fashion, ben, ça peut rejoindre tout le monde, là. Genre, tout le monde peut être comme, ah, ça m'inspire, genre, ton look, fait que je vais te suivre, puis je vais suivre qu'est-ce que tu fais, genre. Mais tu sais, juste d'avoir une plateforme, puis d'exister en tant que lesbienne, tu sais, ça influence, c'est comme les gens de la communauté, puis c'est un peu ça, en fait, tu sais, je peux avoir encore mon influence queer en faisant du fashion, puis tu sais. Je pense que c'est très humour, cette question-là, parce que nous, on est tout le temps comme le grand public, puis les niches, les mais je pense pas que c'est toutes les formes d'art qui se posent cette question-là, genre. Puis c'est bon aussi de juste exister, puis juste faire qu'est-ce que tu veux, genre. Puis on s'en fout, le public va venir après, genre. Puis tu sais, comme on parlait de comme gens qui s'affichent sur les réseaux sociaux, puis juste s'afficher, c'est vraiment important. Genre, comme la semaine passée, où Noah Schnapp, là, l'acteur de Stranger Things, qui a genre juste fait ton coming out de façon très chill, relax, genre avec une joke sur TikTok, puis genre un tweet. Le coming out le plus Gen Z. Genre. J'ai tellement trouvé ça le fun, puis je me disais comme, ah, c'est normal le fun que ça soit juste pas une grosse affaire, puis que autant que ça soit pas une grosse affaire, probablement pour plein de monde, que pour moi, c'était comme une grosse affaire. J'étais comme, oh my god, yes! C'est tellement le fun que ça a été aussi facile et fluide. Puis peut-être que, je dis ça, peut-être que ça a été zéro facile et fluide pour lui puis son cheminement. Mais que ce soit fait d'une façon comme spontanée, joke, que n'importe qui est comme fucking 11 ans, qui scroll son feed TikTok et écoute Stranger Things, voit ça. Non, c'est instantané, puis c'est buzzant. Puis je me dis sûrement que tu fais le même effet à genre plein de jeunes qui ont 13 ans, qui viennent essayer TikTok, puis qu'ils voient ça, puis ils sont comme, oh my god, mais ça permet d'exister, fait que... Je trouve que c'est vraiment le fun, puis c'est non négligeable. Te rappelles-tu du vidéo, mettons... Ben, t'en as fait plusieurs, comme tu disais, mais te rappelles-tu d'un vidéo en particulier, mettons, qui était comme... C'est un peu ton coming out public, mettons, genre, je suis lesbienne. Oh. C'était quoi? C'était-tu une joke sur TikTok? Ou... Ah non, ça s'est comme fait un peu graduellement. Parce que je dirais que ma seule vidéo officielle de coming out, c'était queer sur YouTube. C'était vraiment comme coming out. Puis c'était comme une vidéo genre un peu cinématographique. Ouais. Mais genre, je sais pas pour qui je me prends. Ça fait tellement queer, c'est bon. J'adore. Un petit court-métrage. Ça, genre, littéralement. Puis j'étais comme, j'aime pas les labels. Vraiment, je suis comme, voyons, là. Mais sur TikTok, je sais pas. Je suis juste partie à un moment donné. Puis comme, c'est devenu juste mon branding, là, de dire le mot lesbienne. Puis je sais même pas, je me rappelle même pas de la première vidéo. Non, mais tant mieux, là, genre, ça peut être non, la réponse, là, tu sais, dans le sens non. C'était juste fluide. Mais oui, non, mais j'adore. Puis justement, mettons, là, on parle des réseaux sociaux puis tout, c'est super queer, puis la même chose, on a dit, t'es moi aussi de tomber sur mon feed. Clairement, on a des feeds spécifiquement queer, lesbien, whatever. Mais comme quand on regarde la TV, vraiment pas la même chose. Puis je me dis, comment tu trouves ça de voir que tu rejoins autant de monde sur les réseaux sociaux, puis pourtant, au Québec... On est quand même en minorité, les personnages qui vont être lesbiens ou les personnages queer, même lesbiens, j'ai l'impression qu'il y en a déjà beaucoup plus que juste des personnes qui existent et qui sont queer. Comment tu vois ça? Comment tu penses que... c'est quoi la différence entre les réseaux sociaux et la TV ou les médias traditionnels dans ce sens-là? Ben, je dirais que dans les médias traditionnels, c'est vraiment des stéréotypes. T'sais, s'il y a des gens queer, ça va être vraiment portrayé comme le gars... gay qui est ultra féminin ou la butch, c'est encore un peu ça, mais comme ça change, mais on a tellement de chemin à faire encore, là, tu sais, comme, mettons, la série que j'ai voulu aimer, c'est Sans rendez-vous. C'est j'adore. Nice, parce que justement, Magali, je me rappelle c'est quoi son nom, Sarah, je pense, c'est ça son nom? C'est Sarah. Je suis comme, je te regarde, en plus, c'est dans notre nom. Je me rappelle plus, honnêtement. Mais moi, ça, c'était bon parce que justement, je trouve qu'elle fitait pas tant dans les stéréotypes. J'ai comme, ça peut, tu sais, on commence. C'est slow, mais. Mais ça l'a pris une autrice qui est lesbienne. Ouais, exactement. Il y a une différence quand tu vois aussi qui s'est écrit par des hommes pour des hommes versus des femmes pour la communauté aussi. Mais j'espère que ça va changer éventuellement. Je me demande si ça va changer dans le sens qu'il n'y aura plus vraiment de télévision. Mais tu sais, comme télévision dans le sens, vraiment, je pense à télé, genre québécoise, qu'il faut avoir une chaîne. Puis comme, le corps. La consommation va changer aussi, j'ai l'impression. C'est certain. Mais avec les réseaux sociaux, justement.
Ouais, oh. Mais tu sais, des fois, ça me dépasse de voir quelqu'un comme toi qui a clairement un branding queer, très lesbien, avec plein de monde qui te suivent, plein de monde qui te regarde, puis que c'est pas traduit nécessairement dans nos médias traditionnels, puis qu'on voit encore ça comme de la marge quand il y a des preuves concrètes, qu'il y a plein de jeunes qui sont à l'écoute de ça. Ouais. Fait que je trouve toujours que c'est fou de quand t'es, que là, t'es, on en jase, puis que la, le clash est clairement présent. Mm. Ouais. Puis j'ai pas de solution à ça, malheureusement. Là. J'ai pas de piste de solution personne pour nous autres, là, mais c'est un constat que je fais pendant qu'on jase. Je suis comme... Mais j'ai un projet secret avec des médias traditionnels. Ah! Oh my god! Mais c'est ça, je pense que les réseaux sociaux aussi, ça a un impact sur... Mm-hmm. Le, genre là, les réseaux traditionnels sont comme « Ah, OK, il y a du monde qui consomme ça. » Ouais. Fait que, genre, on va rendre ça à la télévision. Oui. Ouais. Ben, tant mieux, j'ai hâte de voir ça. Puis au niveau personnel, est-ce que tu trouves que, genre, de créer, genre d'être influenceuse, de créer du contenu sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'a aidé avec ta confiance en toi, tu penses? Est-ce que, genre, aussi ta confiance en tant que personne queer, genre, tu penses que ça l'a aidé ou c'est à l'inverse, par toi-même, il a fallu que tu développes ta confiance puis pour en parler après sur les réseaux? Oh my god, c'était tellement une bonne question. J'ai jamais pensé. Si, ma confiance... Je pense pas que les réseaux, ça aide tant. confiance, si je suis bien honnête. Ouais, si tu te lances sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies confiance en toi à la base parce que tu veux vraiment te faire juger de tous les bords, tous les côtés, peu importe que ce soit ton look ou ta queerness. Fait que c'est le fun pour le sens de la communauté, mais il y a toujours des gens qui vont te juger, qui vont dire que t'es irrelevant, que t'es ci, que t'es ça. Fait que c'est ça. Ma confiance, ça dépend. J'ai des penses que je me sens plus confident que l'autre. Ouais. C'est tellement drôle parce que je sais que j'ai tellement ce character-là qui est fucking confident, mais comme I'm like the most anxious fucking human. Genre, littéralement, mes amis sont comme, je suis crampée à quel point t'as cette image-là de genre. T'es genre quasiment fuckboy des fois, puis tout, puis imagine juste en train de pleurer dans le coin. Je suis comme, people don't know that, le bandit, genre. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que les réseaux sociaux, c'est 50-50. T'aimerais-tu montrer une partie plus vulnérable de toi? Ben oui, 2023, ça va être vraiment une année d'exploration. Le beige et les larmes. Le beige et les larmes, une grosse année. Mais j'ai envie justement d'en parler plus parce que je trouve que... Mais c'est ça, j'ai envie que ça clash parce que les gens, j'ai l'impression que... C'est ça, mes amis, ils disent que t'as vraiment un look, tu sais, strong, mais c'est pas... totalement ça. Fait que j'ai envie de dire, c'est pas parce que t'as un look qui est intense que t'as pas des struggles. Puis, oui, je suis anxieuse, je fais des crises de panique, tu sais, j'ai plein I have issues. Fait que, j'ai envie d'en parler davantage. Je pense que ça pourrait rejoindre aussi un autre type de public. Puis ça va faire du bien aussi à ton public d'être comme, ah, OK, la confiance, c'est aussi pleurer dans sa douche. C'est correct, 100%, ça fait du bien, si tu voyais. Puis quand on voit les autres brailler, je suis comme, oh my god, yes, I can cry too! Yes. Enfin! En plus, je suis tellement pas une crier, mais comme j'apprends à pleurer. Fait que je suis tellement, ça me fait tellement du bien, je suis comme, oh, c'est-tu que c'est hot de brailler, je suis comme, je veux brailler plus! On a une amie justement qui aime ça, faire ça, de genre juste s'installer puis genre faire. Pleurer. mais genre se forcer à pleurer. Oh mon dieu, ma grande crise de passion, là. Brailler, là. Oh my god, moi si je pleure, je suis comme. Oh, est-ce qu'il faut que ça finisse là? Je suis comme, c'est pas. on embraye, on finit ça là, ça suffit là. Mais j'essaie de travailler là-dessus là. Faudrait trouver le bon balan entre pas se forcer à pleurer puis pas comme se shamer de pleurer. C'est mon objectif ultime. Yeah. Un bon objectif. Ouais. Merci. Moi, je veux quand même aborder le sujet. On a parlé de TikTok, mais je sais pas si tu vas me permettre de catégoriser ça comme ça, mais j'ai l'impression que tu fais un peu des thirst trap lesbiens. Tell me more, which on parle, on pense à quoi, à lequel on genre, moi je pense à comme, tu mets un petit veston puis t'es comme, tu vois genre, mais je dis ça là, avec tout le respect du monde. Ah mais j'assume tellement. Mais c'est ça, je me dis, c'est quoi le processus derrière le thirst trap? Je veux tout savoir de comment comment on pense au thirst trap? Est-ce que tu t'inspires de comme les doutes qui font des thirst trap? Puis là t'es comme, comment je le fais, comment je le mets dans le woman gaze, tu comprends-tu comme... Non, je m'excuse. Tout du thirst trap lesbien m'intrigue. J'aimerais qu'on en parle. OK, le thirst trap lesbien s'inspire de toutes les lesbiennes, dans le fond. Je ne veux pas m'inspirer d'un autre, je veux rien savoir. Okay? Fait que les lesbiennes sur TikTok sont chaudes en tabarnak, on ne va pas se le cacher. Quand j'y vois, je suis comme, oh my god, I want to be you when I grow up. Okay? fait que oui, je m'inspire vraiment d'elle, mais tu sais, des fois, ça me malaise. J'assume pas totalement. Tu sais, je comprends. J'y pose des fois, je suis comme, mais c'est ça. Je dirais que 90% c'est des jokes de lesbiennes, puis j'ai un petit 10% de thirst traps.
Mais si, je sais pas, des fois, j'entends une chanson, puis je suis comme, ah ouais, ça serait une nice transition, genre, avec une face, genre. C'est plus le son en tant que tel que comme. Ouais. Tu sais, la musique, c'est fort. Ouais, je comprends, oui, oui. Ouais, ouais. C'est comme Magic Mike, tu sais. Ah! Mais oui, ouais, c'est. Puis là, mettons, qui t'a trouvé la toune. Ouais. Pleurer ça, comme qu'est-ce que tu fais? Genre, tu l'imagines dans ta tête ou tu te pratiques? Ben en fait, je vais m'inspirer d'un TikTok probablement qui existe, genre une transition. Parce que souvent, c'est une transition. Tu sais, mettons, t'es un peu échevelé, pas maquillé. Puis après ça, tu tournes, puis là, ça change, puis t'es comme chic. Ouais, ouais. Fait que c'est un peu ça, un thirst trap ou genre un outfit. Fait que c'est plus. Des fois, ça va être des thirst traps, justement, que t'es comme bien habillé, ça fait avec le fashion. Ouais, ouais, ouais. Comme... Ça fait très fashion aussi. Ouais, vraiment, vraiment, c'est vrai que c'est fashion. Je dis thirst trap, mais genre, je suis consciente que c'est vraiment genre. On montre aussi comme que t'es bien habillé, t'es bien comme... Que je me file, genre. Oui, si vraiment, je faisais un thirst trap, ça serait pas un thirst trap. Ça serait un thirst trap de même. Là. Non, non, c'est... je comprends. Tu peux l'essayer, je vais l'essayer. OK, je vais l'essayer. Parce qu'il faut y aller all-in. Si t'es comme... Ah, mais non, c'est mettons que tu y vas puis tu joues le jeu pour de vrai, là, ça va marcher. Puis à chaque fois que je trouve ça cool, je suis comme « Nice! » On dirait que ça donne la confiance, là. Moi, de voir, quand j'en pogne un sur mon feed, je suis comme « Damn! I wish! » J'avais ce genre de confiance. Ben, you could. Je, sûrement. Sûrement, mais... Peut-être un défi en 2023. Je veux voir un thirst trap. OK, oh puis toi, je veux te voir pleurer sur TikTok. Oh oui! Parfait! C'est un... C'est parfait. Oh. C'est vraiment dans un excellent défi. Hâte de voir ton thirst trap, Anta. OK, je vais le faire pour vrai, je suis down. Ouais. Mais récemment, on a eu un show, puis elle a mis un veston sans rien en dessous, puis j'étais comme... Ça, c'est pas un show. C'était la première fois que je faisais ça de ma vie. J'ai un petit malaise avec mes seins en général, mais là, je suis comme... Honnêtement, je me trouvais hot. You fucking were, vraiment. Je pense que c'était hot. Okay. J'étais une grande fan des vestons sans rien, là, moi aussi, des fois. Ouais, c'est beau, là! J'adore. C'est tellement confortable, en plus. Ouais. OK, je vais faire ça avec le veston. C'est un bon outfit pour ça, j'avoue. OK. Ouf, j'ai hâte. Puis les camisoles de lesbiennes aussi, là, tu sais, les... Oui! 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 Ça, oui. Ça marche. Ça, c'est hot. Ah, un peu wife beater. Je sais qu'on peut je sais, c'est ça! J'allais littéralement dire ça, puis j'étais comme... Un Marcel, tout le monde! Un Marcel! Mais puis comment tu prends ça d'être genre, ça sonne dégueu, mais un peu l'objet de désir, tu sais, comme genre, mettons, genre, il y a des monde qui vont swiper pis sont comme, fuck, c'est chaud, genre, on dirait que je suis comme, autant je suis genre, wow, fucking nice, que je mettons, on parlait de nous faire un thirst trap, je pense pas que je regarde de me coucher le soir en étant comme, oh my god, il y a du monde ce matin qui m'ont vu pis qui était comme, yummy, comme ça. C'est bon. Est-ce que tu y penses ou est-ce que c'est de l'annonce? Justement, tu y penses pas. À partir de maintenant, tu seras plus capable de faire des thirst traps. Je veux dire, ça vient avec la job, là. Tu sais, je veux dire, peu importe t'es qui, tu t'attends à ça, tu sais. Mais comme, mais je me rends compte que je rejoins quand même beaucoup de femmes hétéros en questionnement. Puis genre, je suis dans un moment de ma vie que je suis comme been there done that. Ouais. Je suis vraiment tannée. C'est comme I love my little straight women but not as my girlfriend. C'est ça. Fait que c'est comme dur aussi par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens en questionnement qui regardent mes trucs. Mm. C'est beaucoup ces femmes-là qui m'approchent aussi dans la vie. Fait que c'est un peu challengeant pour ça. Communiquer avec toi, genre. Exact. Puis qui veulent comme peut-être expérimenter puis tout. Puis je suis comme ah. Puis aussi, les femmes qui le disent pas, qui sont en expérimentation. Oui. Là, tu sais, c'est un petit peu touchy. Ouf, c'est vrai, c'est push. Je suis en même temps, ça doit être vraiment libérateur pour elle de genre voir une femme qui fait un beau thirst trap sur TikTok, puis d'être attirée par ça, ça doit être comme... Mais autant ça doit être mélangeant, peut-être, s'ils n'ont pas pris conscience, mais ça doit être aussi comme, ah, ça se peut. Puis je me dis, oui, comme, OK, peut-être que ça vient avec la job, comme tu dis, mais ça doit aussi vraiment éveiller des gens. C'est qu'elle va dire, mais d'être comme hot and sexy sur les réseaux sociaux, ça doit tellement changer. Puis bouleverser la vie de certains couples hétéros, imagine! Non, mais 100%, il y a tellement de gens qui ont fait leur coming out après le TikTok lesbian, tu sais, vibe. Ouais, absolument. C'est sûr, vraiment bien dit. Tout ça, c'est un phénomène. Ouais, 100%. Sur lequel on pourrait parler des heures, j'ai l'impression, mais... Puis il y a tellement des personnes qui se sont rencontrées sur TikTok aussi à cause de ça. Puis Ouais, puis encore une fois, c'est genre, t'as plus juste l'image de genre une butch, puis genre, faut que t'es genre... garagiste, genre, pour comme être lesbienne, tu sais, là, c'est comme, ah non, OK. Puis aussi, ça peut être fluide, fait que peut-être que t'as envie, mettons, une femme hétéro, envie de laisser son chum, puis genre, ah, finalement, je suis peut-être plus bisexuelle, puis genre, je suis bien contente de ça. Ça, j'en ai eu beaucoup. Ah ouais? Des MILFs in my DMs. Ah! Qui est ma passion MILF. Passion MILF! Oh my God! Non, mais littéralement, des femmes de comme dans la quarantaine, qui sont comme... Ouais, j'étais mariée, ça fait comme 20 ans, puis j'ai décidé de laisser mon mari pour poursuivre une relation avec des femmes. Genre, j'ai reçu au moins une dizaine de messages de femmes là, qui ont des enfants, des familles. Ouais. Tu mettons sur comme 2-3 ans.
une dizaine de messages. Quand même! C'est quand même beaucoup de familles. Ah, wow! Oui. Quand même. C'est puis en plus, inspirant. En plus, qu'il me le dit, je suis comme, oh my God, t'es cute! Imagine les femmes qui te le disent pas non plus. Il y en a sûrement bien plus qui disent, là. Hey! Quand même. Vraiment touchant. Passion MILF, tout le monde. Passion MILF. C'est qui votre MILF préféré sur les internets ou sur comme, les acteurs, chanteurs? Avez-vous une MILF? Ben, en ce moment, Kate Blanchett, vraiment pour moi. Sarah Paulson, classique. Oh my God. Classique, classique. Qui, de, qui que je trouve vraiment? Mais c'est peut-être mon affaire, là, je me livre peut-être à vous, mais c'est parce que moi, dans la vie, je suis déjà une madame. Genre, j'ai déjà 50 ans dans ma tête. comme, fait que j'ai pas tant... Genre, les femmes mûres, ça m'attire pas tant que ça parce que, genre, moi, malheureusement, mon... King pour la vie, ça va sûrement être de devoir prendre une petite fille qui est complètement fuckée puis devoir la gérer. Parce que moi, je suis mon king, c'est une mère. En fait, c'est moi la MILF. J'ai 25 ans, là, mais c'est 25 going on 55 en esti. Fait que si on se livre complètement, c'est ça mon affaire, moi. Ouais, j'essaie de penser. Moi non plus, je pense pas. Non. Je trouve. J'essaie de penser pour toi, là. Attends. Ouais, j'ai-tu parlé d'une personne? Toi, c'est, ça serait qui? Kate Blanchett, for sure. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un classique. Ouais. Je suis sans mots. Ouais. Je suis sans mots. Je sais pas. Je consomme plus Bob l'éponge. Ben, juste des thirst traps. Judith, mais peut-être pas. Ah, Judith, oui, c'est vrai. J'ai une photo de Judith. Ouais, mais c'est parce que c'est pas genre c'est comme je voulais être son amie, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord mais avec toi. Mais j'avoue que Judith, ça serait. Ouais. Ça serait une personne comme. Clairement, elle peut pas être ma mère, mais genre, si je devais choisir, je voudrais. Mais pas de façon sexuelle, juste de façon inspirante. Ouais, je veux vraiment qu'elle soit ma maman. On s'entend. Mommy. On s'entend. Ouais. OK, je suis contente qu'on en ait parlé. OK, parfait. C'est une bonne question. Bon. Merci de nous challenger sur le MILF attitude. Ouais. Puis vraiment désolée de vous avoir parlé de toutes mes kinky cossins avec les MILF. Sérieux, j'y repense. C'est comme je suis tellement livrée. Wow. Ben, on adore ça. Sorry about that, tout le monde. On sans filtre. Let's go. Mais y a-t-il une question qu'on t'a pas posée que t'aimerais parler? Ah ouais, t'avais des bonnes questions. T'es une des seules qui nous a comme relancé sur des pistes. Ouais. On s'est comme vraiment t'es la seule qui est intéressée par ma vie. My God, je sais pas. T'as ouais, c'est tough comme question. Non, moi, c'est toutes des affaires de comme reliées à des characters et tout, parce que vous avez dit que vous avez écouté The L Word, fait que je veux savoir c'était qui votre personne. Tu sais, la fille, elle n'en revient pas, genre, The L Word, mais comme... On peut vraiment même pas répondre. Non, mais on l'a pas écouté, The L Word. On ne peut pas l'écouter, moi, OK, pas du tout, même pas du l'ancienne génération. Pas du tout. Moi, j'ai écouté genre trois épisodes toute ma vie. C'était juste Gen Q. OK, vous avez un petit gros contrôle. Ouais. Je suis comme un peu ashamed de... Ouais, moi aussi. Mais vous faites ça cette semaine. Ah oui, oui. Non, mais premier... OK, on a deux défis cette semaine. Mais c'est parce que, vu qu'on me dit « Ah, il n'y a pas beaucoup de diversité, c'est genre transphobe et tout », je suis comme « Ah, ben là, ça me tente moyen. » Mais pas la nouvelle génération. Ouais, mais est-ce que j'écoute juste la nouvelle? Ouais, vous pourriez. Vous allez comprendre pareil. C'est juste que c'est tellement nice de voir comme les characters qui avaient genre en 2004 qui reviennent. On est comme « Oh my God! » Je comprends, c'est le feeling nostalgie. Ouais, mais comme vous, starter à Gen Q, ça va être... C'est chill, ok. Ben, bon. C'est sur notre watchlist. On se commandera des sushis, puis on... Ouais, je suis down. On écoutera ça. Je suis down. Tu que ça, on s'en parlera en privé, là, le monde s'en collait. mais... ok, mais après ça, je pense qu'on est ici pour un jeu. On est ici pour un jeu. Un jeu? J'aime bien les jeux. Le petit buzzer. Ok, donc après, elle est responsable du temps. J'ai une question. Ah oui? C'est quoi votre signe astro? Ouh! Like, that's a gay... That's gay shit. Oh my God, je suis pas... T'es-tu capable? Oh my God, c'est bon. Je sais pas, je suis pas si bonne pour donner les signes. On peut te le dire d'abord. On va te le dire. Attends, mais... Alors, on essaie-tu de deviner pour Marie? OK, moi non plus, je connais trop pas ça. Ça aussi, c'est un autre aveu que j'avoue faire. Moi non plus. Est-ce que tu connais un signe d'air? Non. OK. Déjà, ça va. Non. Toi, t'es quoi? Toi non plus. OK, je sais. Non, je sais. C'est qui dit en premier? OK, mais moi, je suis Sagittaire. Signe de feu. Nice. Ouais. Et si vous voulez tout savoir, même triple Sagittaire, genre la... Comme c'est quoi les affaires, c'est... Lune, ascendant, Mercure, Venus. Exactement. Ouais. Ben, j'ai les trois principaux, c'est tout Sagittaire. Ouais, ce qui voudrait dire que techniquement, je serais... Non? Ouais, mon coaster, il est bien fucké de même. Là. Il est comme, c'est vraiment intense, ton affaire de Sagittaire. Fait que je suis comme, sorry about that. Ouais, ça, c'est moi. Toi, c'est quoi, une Sagittaire? Moi, je suis Verseau. Ah, nice. Un petit Verseau. C'est-tu des bons? Ça veut dire que c'est genre ta fête live, genre? Ouais, oui! Le 10 février, que ça sent bien. Mais c'était-tu des bons? T'es-tu comme satisfaite? Je suis très satisfaite. Je suis une grande fan de... Moi, je suis un signe de feu aussi. Je suis lion, puis ma lune est en Sagittaire. Fait que je relate. Et les signes d'air avec les signes de feu, c'est pour ça que vous êtes un esti de bon match. Là. C'est genre le match made in heaven. Ah ouais? Ouais.
Tout le monde pense qu'on sort ensemble. Oui, c'est vrai. Ah ouais, hein? On sort pas ensemble, by the way. C'est un coup de théâtre. En plus, genre, je t'adore, mais je pense qu'on serait vraiment pas non, un bon coup. Je pense qu'on s'est après sur les nerfs. Je pense que moi, je t'étais après sur les nerfs, en fait. Je pense que de toute façon, je pense qu'on devrait faire trop de camping, puis on se pognerait, parce que je serais comme, exact. Je veux pas aller faire de l'est du camping. Parce que ça serait notre chicane ongoing pour toujours. C'est tellement gay du camping. Tabarnak, je sais, mais malheureusement, je peux pas. Là. Moi, c'est le manier de la là. Moi, je serais comme, le vin orange, ça coûte cher, OK? Acheter un Winnebago aussi, OK? En tout cas, ça, c'est notre affaire. Mais là. Attends, c'est quoi ton signe astrologique? Lion. Lion! Ah oui, c'est vrai, j'ai vu des TikToks. Je suis une fan. Ben oui, c'est vrai, j'avais oublié. OK, bon. OK, fait que là, notre jeu, maintenant qu'on est passé à travers Coaster. Mais là, excuse-moi, je vais essayer le buzzer. Parfait. Je pensais que ça fonctionnait pas. OK, parfait. Fait que là, on te l'a expliqué, c'est où on l'a déjà fait avec d'autres invités, fait que peut-être que vous le reconnaîtrez, ça s'appelle Tite Vite. Fait qu'on donne une question, puis là, t'as 5 secondes pour répondre. Fait qu'il faut pas trop penser, faut que ça soit sur le spur of the moment. Puis on peut en parler après, là, si jamais t'as le goût on de... On peut relaxer. T'as une réponse rapide. Peut-être qu'il faut que je déconstruise ça. On a l'espace pour le faire. Ouais. Tu peux pleurer si tu veux. Oh my God! Oui! La première fois que tu pleures en un podcast! Sur un podcast, là, rien de moins. Est-ce que t'es prête? Je suis tellement prête. All right. Quelle est ta couleur préférée? Noir. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas une couleur, mais noir. Excellent. Okay. Ouais, rapide. Okay. Quelles sont les couleurs du drapeau lesbien? Orange, blanc, rose, rouge. Wow! Oh my God! Hey, je pense même pas que j'aurais pu répondre. Non, moi non plus. C'est fucking impressionnant. Wow, OK. Wow. OK, c'est trop bonne. OK. San Francisco. Vas-y. Non, vas-y, tu peux toutes les faire. J'étais sur une lancée, j'avais oublié. Non, j'adore. Go for it, queen. Oh merde, tu vois, on fait très vraiment penser. On prend trop de place. San Francisco, New York ou l'Islande? New York. Wow. J'ai erreur rapide. Excellent. Et pourquoi? Tu t'es élaboré? Parce que je me sens en vie quand je suis dans cette ville-là. Nous aussi! Ouais, on y va quand même souvent. Genre effervescent, l'énergie, tu te sens, you feel alive. Ouais. So good. Ouais, puis comme vraiment. Toi, tu dis là... Wrong answer! Comme toi, tu dis, ferme ta gueule! C'est hilarant. Non, mais genre, tu m'as souvent dit que tu sais, New York, ça permet de... Il y a tellement de choses qui se passent que t'es plus dans tes pensées. Eh oui, moi, je suis overthinker, mais comme c'est grave. Puis quand je vais à New York, il y a tellement d'affaires qui se passent, j'ai pas le temps de penser. Je suis juste comme... Wow! Tout ça se Mais c'est tellement fou que tu dis ça parce que same. Ouais, tu sais, hein? Au contraire, en tant que personne anxieuse, tu peux penser que les grandes villes, c'est tellement gros, mais justement, tu te sens tellement petit que t'es comme, mes problèmes. Vraiment? Ouais. Non, mais pour vrai, pour moi, ça a tout le temps été comme un vraiment calmant, les grandes villes, genre... Je viens de la petite région, comme je disais. Puis juste rentrer à Montréal, j'ai déménagé à 17 ans. Rentrer à Montréal, mettons, je vais 2-3 jours dans ma famille, je reviens, je sens que je respire mieux. Et ça sonne dramatique, genre, mais c'est vraiment vrai. Comme je trouve que je peux être plus moi-même, moins anxieuse. Il y a plus de choses qui se passent. Asti, si un mardi, j'ai pas le goût d'être chez nous tout seul, il y a quelque part, il y a un jour du monde, là. Je peux pas savoir. Tu sais? Oui. Fait que si vous êtes une personne anxieuse, juste déménager. Aller vers la pollution. Suivez le nuage gris. OK. Vas-y. Ah, t'as c'est mon tour? Ouais. OK. Tu me passes le bâton de la parole. Ah, mais tu veux-tu le finir? Non, OK, j'en fais 5. OK, tu parfait. Tu fais les 5 autres, c'est bon? Parfait. OK. Ah, finalement, on fait très bien. Nomme 5 choses que tu aimes à propos de Justin Trudeau. Buzzer! He has nice hair. Non! Excellent. Okay, nice j'adore hair, que c'est la seule question, t'as pas réussi. Puis en plus, nice hair, mais comme ça dépend là, ça coûte de c'est vraiment correct. Écoute, j'ai vraiment cherché loin, c'est la seule chute. Ils sont comme pas particuliers, ces cheveux. Non, mais il y a une belle chasse, là, faut le dire, mais. Une belle coiffe. Sans rien de plus, tu sais. Ouais. Ça va. OK. Ouf, ça, c'est une grosse. Le scissoring, mythe ou réalité? Réalité. Yeah! Fun fact, quand. Parce que moi, j'avais mon coming out. Un peu avant toi. Oui. Peut-être comme un an avant moi, là. Ouais, c'est ça, mais on se connaissait. Puis, c'est la première question que tu m'as demandé. Oui, j'étais comme... Ben, une des premières questions que tu m'as demandé. J'étais comme là, il va sûrement falloir que je le fasse, fait que je veux savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ouais, puis t'étais comme, j'ai fait mes recherches Google et j'ai pas trouvé quelque chose de concluant. On n'a pas trouvé ton vidéo. Littéralement, j'ai une photo. Une photo. Quoi? J'ai une photo. Voilà, that's how you scissor. J'ai une vidéo qui s'appelle « Comment faire le ciseau ». Ah! Wow! On va mettre le lien dans la description. OK, oui, on va faire...
OK, c'est parfait, wow. Hey, mais je te jure, comme moi, dans mes jeunes années, j'étais genre vraiment en mode comment ça se passe, là. Du coup. Ouais. Mais je veux pas rien dire, mais oui, c'est vrai. Puis non, c'est pas comment vous pensez qu'on le fait, mais en tout cas. Mm-hmm. On met les photos aussi. On met les photos. Tout le monde va contribuer une photo, puis ça peut être un dessin si vous êtes pas à l'aise. C'est bon. OK, c'est mon tour. Ouais, c'est on passe le bâton de la parole. OK. Quelle serait ta date idéale? Oh my God. Peut-être un show ou un dans un bar. Vraiment de base. Hein, un enfant, show de quoi? Genre? Un show de musique. N'importe quoi. Ah, de musique? Ah ouais. Ouais. Okay. Ou dans un bar. Genre, juste en prendre un verre. Tu sais, comme manger des huîtres avec un petit vin dans le poing. OK. Mm-hmm. Ouais, bon. Mm-hmm. Le vibe à flot. Le vibe, mon vibe, absolument. C'est très gay. Très encore gay. Une fois. Absolument. Ouais. Oui, c'est comme un show de Fletcher, genre. Ah! Genre Miley Cyrus. Absolument. C'est un bon vibe. Ouais. D'ailleurs, c'est une excellente vidéo, ça fait vraiment plaisir. Ouais. En même temps, mettons aller à une date puis on mange des huîtres. Parce que, genre, j'aime-tu vraiment ça ou j'aime l'effet que ça fait? Je sais pas. J'aurais pas j'aime-tu un... vraiment ça ou ça me fait penser à une noun? C'est ça. Mais on va se le dire. Excusez, j'aurais peur d'être comme. Là, ça passe moyen. Puis là, elle est comme t'aimes pas. Puis je suis comme non, j'aime vraiment ça, je m'excuse. Mais pas celle-là, mais j'aime ça d'habitude. Parce que je pense que je pourrais pas être fucking smooth à voir. OK. Next. La première chose que tu fais le matin. Je me fais un matcha. Ah, wow, en bougie. Matcha avec lait d'avoine. Oui, lait d'avoine. Un matcha latte. Ouais. Oh, j'adore. C'est bon, j'adore. Ouais. C'est bon. Plus matcha que café. 100%, je bois pas de café, en fait. Ah! Mais tu bois pas de café? En fait, c'est que j'adore le goût du café, mais mon corps, il est comme honey, non. Mmh, ça marche pas. Genre, je suis tellement sénère, je suis vraiment anxieuse que ça marche pas. Pantoute. Fait que je bois des décaf, là, je suis cette personne-là, parce que j'aime vraiment le goût. Ouais, mais non, je suis plus matcha. Genre, le buzz, il est là, mais moins. Ouais. Moi, j'aime tellement le goût que je suis comme... Hey, l'anxiété, la chiasse, je suis ça me dérange tout. Well said. Mm-mm. Mais oui, c'est vraiment ça, l'effet désagréable. Mais en même temps, j'aimerais vraiment aimer le matcha, mais je pense que c'est juste une fois quelqu'un m'en a fait un, puis t'es comme tabarnak, pourquoi ça goûte la style d'algue à sushi dans de l'eau? C'est ça, ils sont comme ça goûte le gazon, je suis comme, t'as pas bu le mien. Ah, ouais. Il ne goûte pas le gazon. Tout est dans, dans la manière. Ouais. Ça goûte quoi? Ça goûte le bon gazon. C'est vraiment bon avec le lait d'avoine, là. Je veux un peu sur des randonnées. Ouf. Ah, le sucré, peut-être, ça enlèverait un peu. Peut-être qu'après qu'on a écouté Binge Generation Q de Elwood, on ira se faire un match. Wow, tu nous donnes beaucoup de défis. Pour vrai, c'est ça. Genre, on plus que ma thérapie, là. Funny. OK, next. Miley Cyrus, Beyoncé. Beyoncé ou Taylor Swift? Miley Cyrus. Ooh. OK, c'était quand même rapide là-dessus. Ouais, c'est Miley Cyrus, Beyoncé. Et Taylor Swift en dernier. Toi puis moi, je pense qu'on a le même. Swift. En fait, on le dit en même temps. OK. Taylor Swift, Miley. Oh! Oh! On a toutes des pôles différents. Ouais, toutes différentes. Wow. Mais Taylor, top one for sure. Absolument. J'adore Taylor. Moi, c'était un peu gênant. J'étais à mes 16 ans, j'étais allée voir le show de Taylor Swift à Londres le jour de ma fête avec mon père seulement. Son voyage parfait. C'est iconique. C'est iconique. Son voyage parfait, ils vont voir Taylor Swift. Ouais, that's some gay shit. J'adore. Ouais. Ben, c'est-tu gay ou mon père est riche, tu sais? C'est un peu les deux. Faut se poser ces questions-là. Non, absolument, tu sais. Je pense que mon père est trop riche. Mais je pense que c'est un bon hybride des deux, ma belle. Absolument. C'est un bon hybride. Ouais. Ouf, c'est drôle. OK. Vas-y. Qui était ton premier crush? Gay crush ou straight crush? J'ai jamais eu de straight crush. C'est comme I want to know. Ça peut être les deux, on est dans le Ben, là, je m'excuse. Ouais, c'était trop long, mais je veux la réponse. Ben, pour vrai, Alex Boss. C'était comme mon éveil lesbien. Asti, que j'étais obsessée avec cette personne-là. Mais tu parlais de High School Musical. Ouais. Puis quand j'étais plus jeune, Corbin Bleu, là. Il faisait de quoi? Mais je le trouvais vraiment beau. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, que je pensais que j'étais straight. Ouais. Je comprends. Il était pas dans mon scrapbook, mais. Mais ouais, je pense que je l'ai apprécié dans le film, mais j'étais comme pas un stand-out personnage pour moi, mais je suis contente que pour toi, c'était quelque chose. Je trouvais juste magnifique, je le trouvais beau. Ouais, je comprends. Ben, c'est peut-être une affaire d'énergie, tu sais. Oui, mais il y avait une énergie très, comme, spontanée et positive. Oui. Corbin. Voilà. C'est Corbin. C'est Corbin Blue. Où est-il, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est vrai. Je sais pas. Sûrement des belles affaires, là. Sûrement qu'il s'amuse, puis tout, là. Bonne affaire. Sûrement. OK.
T'es prête 5 secondes okay. pour la dernière question. Okay. Ouais. Nomme-nous un problème majeur dans ta vie actuelle et nomme-nous les solutions que tu comptes prendre pour le résoudre. 5 secondes. I can find a girlfriend parce qu'ils sont tous... Je suis célibataire parce que toutes les femmes qui m'approchent sont straight. Ah oui, straight c'est vrai. Ou MILF. Généralement. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Hein. Je pense que tu sais genre j'ai l'impression moi je suis pas une grande cruiseuse là. Non. Mais genre j'ai l'impression peut-être qu'on se respecte trop. en tant que femme, parce qu'on est comme non, faut pas hypersexualiser les femmes. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Mais peut-être des dates pour ça. De femmes, là, c'est comme l'affaire la plus respectueuse dans le consentement. Comme, dis-moi si j'ai dit quelque chose. Non, mais moi, dis-moi si je dépasse tes boundaries. Non, mais exprime-toi comment. Non, mais je m'excuse. Ouais. Tout le long, je suis comme, hey, on peut-tu prendre un 2? Ouais. mais c'est beau. Dit. Oui, c'est mais vraiment nice. On peut creuser un peu. Ouais. Ouais, je comprends. Mais là, peut-être que je peux donner un conseil, mais il y a un event, Let's Spread, oui. le samedi. And I'm going. So are we? We are too! Exactement, on va se voir là. Puis je pense pas qu'il va y avoir tant de femmes straight là-bas. En tout cas, si oui, ça serait une surprise pour toutes, je pense. Ouais, fait c'est rare. Je pense qu'on va pouvoir manifester pour toi, Chamille, ouais, quoi que ce soit. On va pouvoir être ta wing girl. Ouais, on peut être ta wing girl. Je sais pas si on est les meilleures wing girls. Ouais, ni toi ni moi, on est très cruiseuses dans la vie. Moi, je sais pas comment cruiser. Puis quand quelqu'un me cruise, vous êtes bonne, vous parlez bien, vous lavez, là. Ouais, je comprends ce que tu dis. Je pense que la dernière fois, on a fait un tabac à la soirée Let's Spread parce que Kat Levac était là, puis elle nous a payé des shots, puis après, on était sur un nuage complet de... Ou c'était juste nous qu'on était comme, on est tellement on cool, est tellement personne cool. a remarqué. C'était quand, cette soirée-là? J'étais où, Chris? C'est le DJ set de Triana, non? Ouais. Triana Winter. C'est un DJ set, c'est en septembre. Puis Triana aussi, elle nous parlait de son album. Oh my God. Sérieux, on était top, top tier cette soirée-là. Wow. Sérieux, je suis encore buzzée. J'ai encore ma tête passe pas dans le corps de poupe avant qu'on en passe. Je sais pas si on va sortir du studio aussi. En tout cas. C'est sûr qu'il y a personne à remarquer. Non, personne. Mais en tout cas, moi, je pense que là-bas, peut-être que ben, là, les auditeurs seront laissés sur leur fin, mais peut-être que dans une prochaine saison, là, on va faudrait publier autre. L'épisode tout de suite pour que le monde à l'espèce il sache comme t'aimerais ça te faire cruiser. C'est bon. Eh hey, bien, est-ce que tu as quelque chose à plugger pour terminer? Ouais, quelque chose que tu veux des nous partager, projets pas secrets, mettons. Mais ça, la force, c'est que j'ai beaucoup de projets. Ouais. Je peux même pas dire. Ouais. Si ça gosse le monde, dis des projets secrets. Ouais, mais non. Ben non, tu comprends. Ben, premièrement, suivez-la sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore déjà fait. Marie Gagné. Oui. Bien, oui, c'est ça, sur Instagram, TikTok. Ouais. Là, je prends une petite pause YouTube, mais éventuellement, je vais peut-être revenir. Mais il y a des anciennes vidéos qu'il faut qu'on aille voir. Ah oui, c'est genre. T'as un podcast? Oui, j'ai un podcast aussi. Mais là, on a deux saisons, mais là, ça fait comme un an qu'on n'a pas tourné d'épisode. Puis on va sûrement revenir pour un petit spécial de genre 5-6 épisodes, probablement. Ah! J'espère qu'on va être invité. Ah! Ça serait vraiment de faire un merge des podcasts. Wow! Ouais. Je serais full down. Ça s'appelle comment ton podcast? Rainbows and Orgasms. OK, parfait. Allez, suite. J'adore le titre. On voulait peut-être le brander en anglais. Parce que ma co-host, c'est comme une franco-anglo-ontarienne. Okay, genre, sa première langue, c'est anglais. Fait qu'elle s'exprime vraiment bien. Oui, mais ça pourrait être en anglais aussi. Puis on a comme des invités. On connaît plein de gens anglo que ça pourrait être nice de recevoir. Fait qu'on est comme peut-être qu'éventuellement, on va l'essayer. Ouais. Au pire, ça peut être bilingue, tu sais. Genre, exactement. Ouais. Exact. Fait qu'on y pense. Oh, wow. Mais sinon, il y a ça. Cool. Mais ouais, fait que réseaux sociaux. Super cool. Ben, merci. Merci à vous.